Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Paranix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un petit débat qui est le plus fort entre Végéto et Gogeta. Donc on va un peu inclure les transformations Gogeta SSJ4 et Végéto SSJ Blue. Donc on sait tous que, enfin, peut-être si tu le savais pas, mais d'après l'auteur, normalement, Végéto est censé gagner dans un combat à longue durée comme courte durée. Donc personnellement moi j'aurais cru que c'était Gogeta au début parce que justement, je sais pas, il m'aspire plus de puissance. Mais bon, c'est vrai que Végéto a affronté un ennemi puissant et l'a quand même calmé. Il a fait son retour dans Dragon Ball Super et a fait de même. Ce que je trouve quand même plutôt pas mal, c'est qu'on le voit pas souvent. On l'a vu deux fois, je crois, Végéto, ouais, deux fois. Et il est toujours aussi classe, il est toujours aussi puissant. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait été une mauvaise surprise de les voir. Et Gogeta, on l'a vu que deux fois, si on compte la transformation de SSJ4. Donc j'ai compté la transformation de SSJ Blue. Hein. Donc si vous cherchez deux fois Végéto dans Dragon Ball Super, vous le trouverez pas. Dans Dragon Ball normal plutôt, vous le trouverez pas. Mais il a fait son retour dans Dragon Ball Super, tout le monde l'a vu, tout le monde a été hypé. Donc peut-être, donc je sais pas si peut-être un petit retour de Gogeta dans Dragon Ball Super, pourquoi pas. Ce serait plutôt pas mal, je dirais. Mais bon, pourquoi faire une autre fusion, sachant que celle-là est plus puissante? Je ne sais pas, mais peut-être histoire de faire un petit clin d'œil. Sachant que la fusion est interdite dans les tournois, donc je pense qu'il ne sera pas dans l'arc tournoi si jamais un Gogeta devrait revenir. Dites-moi en commentaire, vous, pour vous, qui est le plus puissant? Donc on sait que c'est Végéto quand c'est en normal, mais quand c'est en transformé, SSJ4 et SSJ Blue, quel est le plus puissant d'ailleurs? Ça, c'est un débat un peu, on va dire, sans fin. Est-ce que le SSJ Blue est plus puissant qu'un SSJ4? D'après moi, je pense que le SSJ Blue est plus puissant, donc chacun son petit truc. Dites-moi en commentaire, vous, qui est le plus puissant, SSJ Blue ou SSJ4 et pourquoi? C'est toujours bien de savoir si vous avez des arguments, on va dire, constructifs. Moi, je pense qu'il est plus puissant tout simplement parce qu'il passe déjà par plus de transformations. Donc certes, le SSJ4 revient aux origines, mais le SSJ Blue a quand même battu des ennemis qui sont, d'après moi, plus dangereux que le SSJ4 et d'ailleurs que le SSJ4 tout seul a galéré à battre. Voilà. Donc la vidéo touche déjà à sa fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est vrai, la vidéo était courte aujourd'hui, donc on en fera une plus longue la prochaine fois. N'hésitez pas à partager, liker, ça je l'ai déjà dit. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!